Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Sacri-O ou JR Enifeu. On joue contre Upper Mage Yup Eniripsa. Et on n'a pas de code sur le Sacri-Heure et 4326 sur Uji Eni. Bon, Upper Yup Eni, ça va. Ça devrait pas jouer trop distance, avoir le mode de l'Upper Mage. Mais c'est une map qui aurait pu être un peu problématique si j'étais contre du Kra, du Steamer ou des trucs un peu qui tapent à distance, Heliotrope ou je sais pas quoi. Contre ce genre de compo, ça devrait à peu près aller, je pense. Alors, je commence. Apparemment. Est-ce que je pourrais pas choper directement? Bon, allez, on va pas commencer à troll. On va essayer de faire un T1 rapide. Pour gagner du temps sur le T2. Hop. On va faire une petite perfusion ici. L'épée, je vais la mettre là. Hop. Et je pense que je vais me caler comme ça. Normalement, je crains pas trop les lignes de vue. Upper Mage, pas de tacle. J'ai un peu peur du mode Dopu. Alors, je vais check un peu. Impatience, ça c'est moi. Pre-tech en face. Pas d'effet déclenché particulier, apparemment. Ok. Le Yop qui vita. Il y a peut-être du Dopu en face, j'ai l'impression. On va voir ce qu'on peut faire. Alors avec le J, on va molosse deux fois. Hop, j'essaie de penser à ma maîtrise d'invoque que j'ai tendance à souvent oublier. On va aboiement. Arcanin. Et je pense que je vais faire une poursuite ici. Ok. Bon, un start assez classique en face. Ça joue abnégation, ok. Ça arrive de taper quand même bien fort. Vivifiant, régène sur le Yop. Bon, le Yop va être assez tanky. Je pense que l'Upper Mage va être le plus gros souci au final. Peut-être la plus grosse source de dégâts. Et l'initiative a l'air assez propice à ce que je le ramène. Donc peut-être que je vais faire ça. Je vais faire un lapin ici. Elle est comme ça, maîtrise, mode régène, vivifiant. Je vais aller là avec Lenny. Je vais essayer de pas donner des trucs trop free. Lapin, je vais le mettre là. Ok, alors là je vais pouvoir cop éventuellement. Rage tectonique, ok, peut-être un mode plutôt Dokri. On va voir ce qu'il me met avec ses. Oh, par contre, le lag que j'ai, c'est abusé, je viens de relancer le jeu. Bon, ça fait assez mal effectivement. Ça se booste en force. Je pense pas que ce soit un mode de pou. Je prends quand même beaucoup là sur ces petites claques. Après il se met des runes. On va y aller comme ça. Aversion. Hop. Je vais go directement là-dessus. Petit coup de Kanji Gérarque. Et je lui place mon ébène. Ok, ça c'est pas mal du tout. J'ai bien envie. Alors je peux soit. Il a pas de tacle après, hein. Je vais préférer ramener mon sacri. Qui était en aboiement. Et je suis le pire chien. Je voulais pas trop isoler le sacrieur. Apparemment, c'était juste c'était de la merde. Alors, précis, 16 PA. Ça tape R. Ouais, j'ai fait de la merde avec l'épée. J'étais aboiement. Je me bait tout seul. Je me troll tout seul. Bon, l'héros est placé sur le sacri. Falloir que je sous-estime pas quand même les dégâts que je peux prendre. Mais il y a Lenny qui va jouer avant la peur. Le Yop, ok, le Yop tape R, il a l'air d'avoir un mode un peu bien tanky R, il met de l'héros en zone, faut pas sous-estimer, hein, mais pas mal de boucliers, mais je vais pouvoir éroder instant. L'Upper apparemment donc en terre d'ocrite. Est-ce que je me transforme en vrai? Ouais, je vais me transformer. J'érode à fond évidemment.
Merde, j'ai fait Nimple. Faut que je prenne les bonnes distances. Hop. Je vais y aller. Je vais y aller comme ça. Tac tac, le Dofus est bien placé. Je vais me mettre ici. Donc là normalement il a deux ébènes hein, l'upper. OR, c'est bon, tout est fine. J'ai une petite zone sympa au sélectif, éventuellement pour prendre le sacri. Faut pas que. Alors les erreurs que j'ai faites sur les combats précédents, c'est quand même de surestimer le tankiness du sacri. Et on va essayer de pas faire la même connerie. Donc upper terre de crit, hein, il va taper très 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 fort, donc il faut vraiment que je le hard focus. Il va jouer beaucoup aux soins et au bouclier, donc avec l'érosion j'ai moyen de faire des dingueries. Ok, il a lâché un debuff, donc peut-être qu'il perd aussi quelques boosts accessoirement. Moi, il faut vraiment que je sois dans l'optique à fond, protection du sacrieur. Je vais le laisser éroder, on verra si en termes de pupus ça devient intéressant ou pas. En vrai, j'ai une magnifique zone sélectif. Ce serait un peu triste de ne pas la prendre, on va y aller comme ça. En vrai, je vais lui mettre un coup de cac. Hein. Coup de cac. Et je pense que je vais prêve, en vrai. Je fais assez rarement ça, mais de prêve direct comme ça, mais je vais prêve. On va tenter de laisser l'érosion. J'ai envie d'essayer, de le laisser m'éroder. Alors j'ai un peu surestimé la portée du lapido, mais tranquille. Je vais le laisser m'éroder et on va voir... Ok, là il a les ébènes. Alors il a beaucoup de points de bouclier, comme vous pouvez le voir, mais tranquille, il est érodé, donc tout va bien. Je vais le laisser m'éroder et on va voir si au bout d'un moment je peux lâcher de la grosse pupu vénère. Ça va être un peu le plan. Là on va être T3, donc T3 je dois relancer pack de sang mutilation normalement. Ok, il continue à me tabasser, il y a vraiment des gros dégâts qui sortent, mais c'est ok encore, c'est moins choquant que ce que j'ai pu voir. Ok. Je peux faire... condensation. Double stase. Alors je sais pas pourquoi j'ai perdu un PM par contre, faudrait m'expliquer. Tac. Et là je mets les points de bouclier. Par contre vraiment ça lag de ouf, je sais pas pourquoi. Je comprends pas trop pourquoi ça lag comme ça, je vous avouerai, je suis un peu étonné. On va venir attirer le Yop. Le J aussi, du coup je le rapproche de l'Upper Mage parce que je peux plus flair maintenant. Le Yop il a un retour de précis, il est pas taclé par l'épée mais il est taclé par le J. Il va peut-être m'intimider, il va me repousser, d'accord, ouais. Effectivement du coup là je perds un peu un tour, mais bon de toute façon que je sois en mode chien ou pas ça change pas grand chose à ce stade là. On va essayer de se rapprocher comme on peut. Du coup le sacri est bien tanky, il me remet l'héros à fond. Je vais le laisser m'éroder, je vais voir si ça peut être viable de mettre de la grosse punition. On va voir. Bon là je suis un peu deck quand même, je perds un tour qui aurait pu être assez stylé. On va y aller comme ça, on va pistage, deux fois. Merus ça passe pas hein. Putain, on s'y retrouve pas. Non, je suis juste invulnérable, j'ai juste moins 100 PM, donc je peux Humerus. D'accord, je me suis demandé si j'avais pas un pesanteur éventuellement. Je m'étonne d'arachné en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire contre mon arachné en fait? Bah, je tape le lapin avec mon arachné. Et voilà. Ok. Alors là ça continue à tabasser mon sacrieur. C'est intéressant parce que je suis encore en train d'expérimenter dans quelle mesure je peux vraiment tanker avec le sacri, me faire éroder. Baguette immologie, tiens, ça faisait... Je crois que c'est la première que je croise en PvP. Enfin la dernière que j'ai touchée c'était pour de la forge magie en brisage PA, mais c'est une autre histoire. Ceux qui regardent mes vidéos auront la ref évidemment. Alors il se met là, est-ce qu'il me tacle? Non. C'est vraiment cool d'avoir de la fuite, ça régale. Le lapin Osef. Alors, je vais peut-être mettre des PM à logis. Normalement, j'ai des buffs personne, donc j'ai encore tous les états stimulés. Ouais, je vais PM logis, ça fera du bien. Alors, il me tacle un peu.
Mais tranquille. Je pense que je vais y aller en vrai. On va y aller comme ça. Hein. Hop, je veux juste full tabasser. Tac. Tac. Je vais rester là avec Lenny. Je bloque le passage en vrai. Le lapin. Bon, j'ai pas grand monde à soigner. Full PV. Full PV. Je peux me soigner moi-même. Je vais avancer par là-bas. On se rapproche du sacrilleur comme on peut. Alors, l'upper, 700 PV. Je suis encore bien solide, moi. Je vais pouvoir lâcher la petite pupu assez vite. Toujours des lags assez handicapants. Je comprends pas parce que je viens de relancer le jeu. J'avais l'impression que c'était devenu plus fluide. Et là, je suis un peu étonné. Ah oui, là, il y a un temps de latence. Bon, il faut que je joue très vite. En vrai, je peux lui lâcher un petit coup de kanji. Je pourrais faire d'autres trucs, mais j'ai même pas besoin en fait. Je vais lâcher ça ici. Projection, et ça devrait suffire à passer le kill. Je garde mon ébène pour le tour prochain. Je m'isole, comme je suis érodé. J'ai pas de raison de m'exposer davantage. Je peux tacler le sacri. Lenny, pardon. Tac. Je peux même aller chercher le yop. Tac, des petits dégâts, c'est toujours ça de prix. Bon, je fais pas gros. Il est tellement tranquille le yop, on va pas lui faire grand chose, mais. Quand même. Ok, le yop qui veut peut-être essayer de venir me passer le kill. Ce qui précise. Fracture, précise. Ça peut devenir violent, on va voir ce que ça donne. Il est vraiment hyper tanky par contre son yop, il a tellement de PV, j'ai même pas envie d'aller le taper en fait, on en est là. Hein. Je pense que je vais faire ma life avec Lenny en fait. C'est juste ça qui va se passer. Tac, je vais les roder à haut taquet. Tac, tu prends ton meilleur ébène. Voilà. Je casse les lignes de vue. Le chauffeur qui va remettre sa petite couche en plus. D'amitié. Bon, il se détacle, ok. Ça lui prend un peu de PA. Il passe quand même pas le kill, on est d'accord. Non, ça crie, c'est incroyable. Que ce soit bien clair, il me fait pas du 1000. J'ai souffrance 7. Non. Si crit, je sais pas, mais j'ai 35 cri-cri, ça devrait le faire. Ça devrait passer tranquille. Sélectif. Ok. Est-ce qu'on irait pas à fond sur Lenny en vrai? Si je fais comme ça là. Ouais non, j'ai plutôt fait... c'est de la merde. Je vais plutôt y aller comme ça, comme ça. Stimu. Tac. Donc là, je suis T5. Normalement, il faut que je refasse le pacte. Je peux faire... Est-ce que je refais la mutilation? Non. Je peux faire... Tac. Tac. Punition. Ouais, c'est pas mal la pupule. Hein. Ça a un peu de la gueule quand même. Je vais me barrer. Donc là, on est à 1256. Et la pupule, elle passe... L'ébène passe en haut là-dessus, normalement, hein, si je me suis pas chié. Je vais libérer le passage pour Luigi. Hop. Voilà. Du coup, le Yop sort de précis.
Lenny a pris un tarif de ouf, en plus il était érodé. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc j'avais fait des expérimentations hein, pour ceux qui se posent la question, parce que le sacré il est en mode dommage distance, mais là les dommages neutres indexés sur les PV érodés ne sont pas affectés par les boucliers de type dommage mêlé ou distance. Donc ça c'est assez important. En plus sur la pupu du coup j'ai repris masse PV. En vrai je pense que je vais le rush comme ça lui. Tac. Je vais pouvoir battu. Hop. GG. En général, les uppers, je sais pas, j'ai des mauvaises expériences avec les upper mages sur cette map. J'ai l'impression que souvent, quand j'ai joué contre upper sur cette map, ça se passait pas bien. Mais là, on s'en sort pas trop mal. Le Yop était vraiment hyper tanky. Du coup, tout le monde est full PV chez moi. Y aller comme ça. En vrai, je pense que je peux me refaire une muti. Là, si je leur fais une mutilation, du coup, c'est comme si je l'ai relancé du début de combat, quoi. D'accord. Je peux faire tech. Ah, bon, les nids a pris une claque au passage, il avait rien demandé, mais tranquille. Hop. On va se mettre là. Faire gaffe au zénith. Ok. Peut-être presque trop tanky son Yop en vrai. Bon, c'est vrai que c'était un peu chiant parce que du coup j'étais en mode je vais même pas essayer de le taper. Parce que vraiment très très solide. Avec les variantes full point de bouclier et compagnie. Mais du coup j'ai juste eu un peu à l'ignorer et je sais pas. Peut-être qu'il aurait pu mettre plus de pression en jouant autrement. C'est un peu discutable peut-être. Intimidation. Là, je crois que j'ai un ébène à placer. Hein. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Non. On va plutôt battu. Tac, on se met les boosts. Je vais double héros. Mais l'héros, on s'en fout un peu. Tac, tac, les carcasses. Bon, là, les dégâts passent très très bien, forcément. Je pense que je vais remettre un petit galvanisant. Ah, mais j'ai encore une arachnée, évidemment. Tac, on va galva. J'ai envie de lui lâcher un bon coup de corrompu. Juste ça, c'est du grid, hein. Ça sert à rien. J'aurais pu prendre la zone sélective, mais je pense que là, j'ai plus besoin d'avoir un gameplay optimal pour gagner à ce stade. Je crois que je suis plutôt bien parti. Forcément, je soigne Lenny qui a pris une balle perdue du Sacrieur, qui avait rien demandé. La pupu. Ah là, il lâche perd en plus le pactin. C'est tous les deux tours après. C'est intéressant. Hein. Genre là, si je me refais pack de sang. On va éviter. Plutôt regarder la pupu. Du coup, je le tue juste au dégâts neutre. Enfin, jusqu'au dégâts haut. Très bien, on va mettre un petit bon jeu. Bon, il y a encore des choses à Theorycraft, mais c'est franchement, il y a du potentiel sur le gameplay du Sacrieur, ça me plaît bien. C'est assez stylé. Et là, ça m'a bien servi d'avoir un mec bien tanky qui encaisse toute l'érosion et les dégâts de l'Upper Mage. Sur ce genre de configuration, là, le Sacri, vraiment, avec sa grosse vitalité, il a fait un gros travail et ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.